Eh bien, salut tout le monde, c'est Blood. On se retrouve pour Destiny, donc les Seigneurs de Fer. Et je ne suis pas tout seul pour ce let's play, puisque je suis avec Mike, qui est à Et ma droite, bien sûr. salutations. Bah oui, bien sûr. À ma droite. Ouais. Alors, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, hein. On se retrouve sur les seigneurs des tapirs. Voilà, des tapirs. Voilà, pour Parce ceux qui ne que connaissent les pas, rats. il y a eu des petits bugs au début du jeu. Et du coup, on avait un code d'erreur qui s'appelait Tapir. Et du coup, la communauté s'est amusée en attendant, hein, bien sûr qu'elle rageait parce qu'elle ne pouvait pas connecter au jeu, et à faire des tapirs, à modifier les têtes des seigneurs de fer en mettant des tapirs, etc. C'était très marrant. Moi, de mon côté, je vais lancer la cinématique. Donc, on est parti. Nous pensions être invincibles. Les seigneurs de fer. Nous avions juré de tout faire pour protéger la dernière cité. Certains d'entre nous ont payé le prix fort. Je suis l'unique survivant. Rejoignez-moi, gardien. L'heure de venger mes compagnons d'armes est arrivée. Prouvez que vous êtes à la hauteur pour le retour des seigneurs de fer. Donc voilà un cinématique qui donne envie, bien sûr. Franchement, elle est magnifique cette cinématique. Voilà. Donc, pour l'explication à Mike, c'était la personne qui était avec moi lors de la fin de Taken King, puisque j'étais malade à ce moment-là. Et donc, il était venu avec moi pour m'aider à refaire le record. Si tu veux bien, on va partir en ancienne Russie sur Terre, puisqu'a priori, notre quête nous attend là-bas. Voilà, donc c'est le pic de Fellwinter, pour être précis. Tout à fait, voilà. Niveau conseillé, 282 lumières. Eh bien, allons-y, et nouvelle cinématique qui nous attend en arrivant sur place. Dans les années qui suivirent la chute, il n'y avait pas de gardiens, seulement les seigneurs de fer. Immortels, intrépides, nous combattions pour protéger les survivants d'une époque révolue. Notre combat était bien plus qu'un simple retour à la lumière. Les seigneurs de fer voulaient donner à l'humanité un avenir. Certains connaissent la légende, mais personne ne sait vraiment comment sont tombés les seigneurs de fer.
Il fallait être là pour comprendre, pour témoigner, pour se souvenir, pour savoir que même les héros peuvent mourir et que survivre n'est pas toujours une victoire. Maintenant, je suis l'unique sentinelle, et ma garde est éternelle. Attendant le réveil de ce que nous avions dérangé. Les seigneurs de fer ont disparu, mais notre combat est loin d'être fini. La maison des diables est de retour. Ils fouillent tous les anciens laboratoires de l'âge d'or, à travers tout le système. Ce n'est pas qu'un simple pillage. Ils sont en mission. Au début, l'avant-garde n'était pas vraiment préoccupée. Du moins, pas avant que les diables ne décident de retourner dans le cosmodrome. À présent, les diables déplacent des tonnes de ressources dans une zone qui avait été maintenue à l'écart pendant des siècles. D'habitude, j'aurais dit que c'est un jour comme un autre. Sauf que tout le monde parle du Seigneur Saladin. Il a quitté son poste à la bannière de fer pour s'occuper personnellement de cette situation. Plutôt que de nous rendre directement au cosmodrome, Saladin veut que nous enquêtions sur un observatoire abandonné dans les montagnes. C'est très curieux. Bon, bah c'est bien parce que moi je sais même plus comment on joue, hein? Voilà. Oh, c'est un FPS classique, un multi-tintonnement RPG. C'est comme le vélo, hein? Moi c'était pareil, hein, hier quand j'ai repris, voilà quoi. Hein, tu voyais les frags à la fin, de mon côté je devais Voilà. avoir allez, une trentaine de frags, les autres ils en avaient 160. Des déchus occupent le pic de Fellwinter. Mon équipe et moi-même sommes déjà en route, mais nous n'y serons pas à temps. Vous devez sécuriser l'observatoire au sommet. Il ne faut surtout pas que les déchus établissent une base sur cette montagne. Si les déchus se fraient un chemin vers le sommet de cette montagne, c'est pour s'emparer de l'observatoire Vostok. Qu'est-ce que les déchus peuvent bien chercher dans un avant-poste abandonné? Des choses qu'il faudrait laisser enterrer. Ah. Il y a un téléphérique pas loin. Prenez-le pour atteindre l'observatoire. Pas de problème, monsieur. Téléphérique. J'ai oublié mon forfait. Alors qu'on a des vaisseaux spatiaux. Mais grave, il aurait pu nous déposer tout là-haut hein, directement. Oh. Attention, je tente un truc. Oh mon dieu. Oh mon dieu, j'ai failli tomber. Qu'est-ce qu'il nous Waouh. Attends, moi je rame par moment, c'est normal? Bah non. Bizarre. Étrange. Ok, il y a du stuff vert, c'est cool. Oh putain, je sais plus jouer ça. Ouais, ça fait ça au début. En tout cas, c'est bien, ça va, parce qu'on commence avec un nouveau territoire quand même. La neige, on n'avait pas encore fait un sur des films. Ouais, et bah moi je rame, mais alors complet, mon gars! C'est très bizarre. Ouais. C'est pas grave. On réglera ça dans l'épisode d'après.
Bah, je suis désolé, mais ça va ramer un peu. Pendant ce temps-là, je pirate. En espérant que ça rame pas sur ta capture, wow. Là, c'est tout. Ça n'a pas dû être utilisé depuis au moins 4 siècles. Voilà. Alors, réapparition limitée, t'as intérêt de faire attention. C'est gentil. Avec le rame. Moi, j'y peux rien. Tu rames et on est dans une rame, quoi. Donc, tu vois, c'est. Ouais, c'est, je suis rame. RP. Où es-tu? Alors, regarde là, j'ai ramé. Avec un tel accueil, cela me semble un peu ambitieux de penser que nous pourrons sécuriser l'intégralité de l'observatoire. Il y a une cour derrière le bâtiment. Si vous arrivez à le sécuriser, vous pourrez les garder éloignés du temple de fer jusqu'à ce que nous arrivions. Une minute. Vous avez dit le temple de fer? Comme la bannière de fer? Les seigneurs de fer? Ne perdez pas votre concentration. L'enjeu est trop important. Faites attention! Ah ouais! Genre, c'est l'accueil et tout là-haut. J'en ai eu un! Ah, celui-là, j'y arriverai pas, ça rame trop! Ah mec, on n'a pas tué les autres derrière, ils nous. Voilà, c'est. Je pense qu'il y en a d'autres. Ouais, t'es à terre? Non. Non, 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 non! La grenade elle est restée chez moi. Oh putain, et c'est la catastrophe hein. Je sais pas pourquoi ça rame comme ça. Je crois que je n'aime plus cette boîte en métal. Oh. Nous ne pouvons prendre un autre coup comme celui-là. Sautez. Ah ouais? Je saute là. Ouais, faut sauter, vite. Faut sauter. Ça va exploser. Oh magnifique. Bah non, ça explose pas. Je ne comprends pas. S'il y a quelque chose d'important là-haut, pourquoi l'avant-garde ne protégeait-elle pas le temple pendant tout ce temps? Cet endroit et ses secrets sont sous ma responsabilité. Ah, ne pas tomber. Attention, t'avais mon pied dans le vide. Oh, c'est quoi déjà? Ah, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi le coup de quête? Ah, c'est R1. Bah, c'est ce que j'ai fait pourtant. Ouais, mais tu dois être pas dans la bonne. Ah, c'est bon. Non, non, bah, je sais pas. Dégage! Aussi. Ah. Ah, tu l'as pas tué, lui? Oh, j'étais concentré sur le capitaine. Vous savez, il y a bien plus de déchus que prévu, pour être clair. Même si un seul déchu s'emparait de ce qui se trouve sur cette montagne, ce serait un déchu de trop. C'est ma PS4 Pro qui rame. Elle est pas petite pour le jeu. C'est le jeu qui est pas petit. Voilà. Mais c'est marrant parce que c'est juste par un moment, c'est. Là tout va bien. Moi ça va. Moi ça va. C'est pas grave. Tu me sauveras. Sans problème, monsieur, sans problème. Oh, attention. Il est en fufu. Oula, attends, il y a un mec là derrière nous. Putain, je rame, mais il est derrière nous. C'est bon. Ah bah non, c'est pas bon, il y a un verre. Ouais, non, finalement, tu vas se taire. Ah non, foiré. Mais non, mais c'est pas de ma faute, ça rame au mauvais moment, quoi. Je suis en train de le tuer, ça rame. Et quoi là-haut? Je vois des ennemis. Ah ouais. Reste là, j'y vais.
Ah non, mais c'est un. Attends, là, je suis en mode. Restons prudents. Je détecte quelque chose à proximité. Oh, j'ai été TP. Voilà. C'est bon. Non, mais c'est du lag, mec. C'est, c'est pas possible. Moi j'en ai pas donc c'est un problème. Ah ouais, non, mais c'est étrange. Hein. Bah, c'est pas grave, hein. Je suis un mec. Hein. Là derrière nous. Non. Ah bah, non. Capitaine Mi Life. Attention, grenade. Essaye, toi. Calme-toi, le capitaine. Putain. Putain, mais en plus, c'est de la merde, putain. Ah, t'as un snipe. Ah non. Ah ouais. Moi aussi, je sais faire, regarde. Oh, c'est quoi ça? Je tire dessus. Un serviteur. Attendez. C'est Pix premier? Je croyais qu'il était mort. Il y a quelque chose d'étrange dans la signature énergétique. Ce n'est pas d'origine déchue, mais on dirait que ça se régénère. Vous dites qu'il se régénère? Tuez ces Pix, gardienne. Tuez-le maintenant. Ce serviteur est bien ce que je pense. Les portes du temple ne seront pas assez solides pour lui résister. Vous devez le détruire avant qu'il ne soit trop tard. Empêchez Cepix d'entrer dans le temple. C'est bon, je suis là. Je détecte des renforts en approche vers votre position. Sans blague, on vient de les voir, les renforts. Bordel de merde. Vous pouvez pas prévenir avant. Oh putain, ça a ramé. Ah. Ah, ah, je peux pas là. Vous devez sauver la montagne, gardienne. Oh mon dieu, avec tous ces effets, c'est encore pire. Surtout que je suis bientôt à court de munitions. Gardien.
ordinateur. Mais merde toi! Faut que je te reste ou pas? Rassure-moi, j'ai pas besoin. Non, 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 t'as pas besoin. T'es tranquille là? Ouais. Ah, j'ai un loup bleu près de toi! Je fonce! Un capitaine! Bon, un jaune mort, mais le capitaine approche. Rebus sur toi. En fait, c'est la neige, je crois. J'espère qu'il n'y a pas de neige partout parce que. C'est la neige. Non, non, je te jure, à chaque fois qu'il y a plein de neige, le jeu part en couille chez moi là. Je n'ai plus les rebuts, hein, t'inquiète pas. Ces histoires pour pénétrer dans un vieux temple. Même les vieux loups peuvent encore mordre. Shiro, où en êtes-vous? Je survole la zone pour m'assurer qu'il n'y a plus de danger. Je serai là dans une seconde. Vous avez fait du bon travail. Le temple est sécurisé. Maintenant, nous pouvons... Shiro, préparez-vous à l'abattre. C'est comme si... Attendez! Je détecte de nombreux tirs près du mur, secteur 17. Ils attaquent le réseau de capteurs. Ils doivent savoir où se trouve l'Aria. Vous devez vous rendre au Cosmodrome immédiatement. Si ces pics s'échappent, les déchus ne seront plus notre seul problème. Attends, 320. Ah non, t'as pas mieux, tu peux pas avoir mieux. Ah ouais, bah je vais changer ça tout de suite, quoi. Le maximum qu'on pouvait avoir, c'était 310 sur... Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? Sur cette première partie? Bah non, ça fait 25 minutes, on peut enchaîner un deuxième, je pense. D'accord. C'est vous qui voyez. Ok, alors ça c'est la tour. Ah putain! La tue! Dans les menus là!
320. Un lance-roquette, vas-y, on va prendre ça. Et là, 295. Ah, c'est au-dessus. C'est au-dessus, c'est chiant. C'est chiant. Mec, j'en ai marre, tout au-dessus. Et oh. On rentre du boulot. Pam, 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 pam. 298, 16 en dessous. 300. Bon bah c'est bon. Jaune, jaune, jaune. J'ai pas de jaune sur la map. T'es sérieux? Ouais. Ça doit être violet alors. Non, oh, putain, non. Ça... Violet c'est Taken King. Bah. À moins qu'on doit retourner sur la terre, la tour, peut-être. Alors là, c'est très étrange. Attends, je vérifie tout, hein. Chute du mur, nanana. Ah, faut aller au cosmodrome. Faut que t'ailles sur Terre, patrouille au cosmodrome. Ah oui. C'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il a dit. Tu la vois la chute du mur? Ouais. Le point, il a été rajouté. Ouais, ouais, je suis dessus. On va dedans du coup. Voilà, 290. Seigneur Saladin, vous disiez que les déchus connaissaient l'Aria, mais je n'ai pas trouvé de référence à l'Aria dans les archives de l'avant-garde. C'est parce que je les ai dissimulées loin d'ici. Elles sont dans le Temple de Fer. D'accord, mais si les déchus connaissent déjà l'Aria, pourquoi pas nous? Votre priorité, c'est de retrouver ces Pix. Une fois localisés, nous connaîtrons l'étendue de l'infection. Ok, je ne sais pas ce qui m'effraie le plus. Ce catch géant ou la chose qui n'a fait qu'une bouchée de ce mur? Gardienne, ici Shiro. Il va falloir vous mettre à couvert. Dirigez-vous vers le cosmodrome. Ah oui, l'accueil. Je me retrouve avec une mitraillette. Que nous traversions le mur. Bah, traversons le mur, pas compliqué. Oh là là, j'ai un engramme de fusil sniper. Maintenant que la plupart des Khals sont morts, c'est étonnant qu'ils aient réussi à rassembler une telle force pour travailler ensemble. Saladin, vous avez mentionné un réseau de capteurs. Pouvons-nous l'utiliser pour évaluer l'ampleur de cette invasion? Les déchus sont sans importance, Shiro. La seule chose qui compte pour l'instant, c'est de trouver ces Pix. Oh! T'as vu qu'il y a du sniper? Pourquoi vous vous cachez les mobs? Ah, mais on peut descendre! Mais attends! Ouais. Les snipers d'abord, mec! Oh, enfoiré! Tu m'en as mis une cartouche! Ah là, c'est bon. Celui de gauche, celui de droite, tu l'as eu? Ah non. Si. Ok. Bon. Et il y a celui-là. Ouais. Ouais, ok, c'est bon. Il en reste un. Il en reste deux au fond. Bah, tu peux avancer tranquille. Coucou. Voilà.
Plus qu'un en haut à droite, mais je le vois plus. Il a disparu. Arrête de taper sur mon pote. Oh, j'ai plus de munitions, c'est une blague. Ah bah voilà. Dégage. Il y a un engramme vert, mais il avait une couleur, tu sais, turquoise presque. Il y a beaucoup de déchus, mais toujours aucun signe de ces pics. Il a un problème, Tyrion, là. Retourne dans Game of Thrones. Mais il est plus là, Tyrion. C'est fini. C'est ah plus si, lui. Mais la voix FR, c'est toujours Tyrion. Ah, ouais. Que peut bien être cette structure, là-bas? Pouvons-nous regarder de plus près? Bah, ouais. Ça va m'exploser à la gueule. Je scanne. Je détecte d'étranges données. C'est comme ce qui était sur ces pics. Mais je dirais que cette chose est en train de dévorer tout ce qui l'entoure. C'est de l'aria. Bien maîtrisé, il aurait permis de créer tout ce dont une civilisation a besoin. En théorie, du moins. Oh oh. Moi, je m'en vais, hein. La ruche? La ruche a tendance à rester dans l'ombre. Quelque chose les pousse à se mettre à découvert. Mec, t'es parti affronter les autres, mais pas ceux derrière. Ah ouais, comment non, ça se passe? Devant, hein. Bonjour, prêtresse. Il en reste un. Il en reste le pompe direct. Non, c'était le pistolero. Sérieux? Ouais. Ça a fait un de ces bruits, tu sais, on aurait cru à pompe.
te dis, c'est la neige, hein. C'est pas possible. Ah, c'est bon. Alors attends, on va invoquer le véhicule. Nouveau passereau. Ouais, mais attends, mais moi le véhicule, c'est une très mauvaise idée. Ah, t'as le nouveau ? Moi non, je l'ai pas mis. Je vais pas aller le chercher. T'as entendu le bruit du klaxon ? Ouais. Allez, vite, fonce. J'ai perdu tout contact avec le réseau de capteurs. Il y a une station de surveillance près de vous. Allez-y et remettez le réseau en service. Allons-y. Ah, ça pique! Mais non, mais faut le détruire! Ah bon? Bah oui! Bah je sais pas, moi j'ai la flèche. Tout à l'heure, je tirais dessus. Bah oui, continue, bah. Viens ici, alors moi je vais là, tu vois, je pirate. Attends, je visite. Il ne reste pas grand chose à réparer du réseau de capteurs. Attendez, attendez. On pourrait récupérer les données de la station de surveillance. Ça devrait suffire pour comprendre ce que ces déchus préparent, non? Faites-le. Quelque chose d'étrange arrive. Ces déchus sont différents. On dirait qu'ils ont été améliorés avec une sorte de technologie de pointe, comme pour ces PIX. Améliorés ou pas, nous avons besoin de ces données. Je crois que je n'aime pas ces déchus nouvelle formule. Moi je suis en fufu, c'est bon! Je peux tous me les faire! Ou pas? On nous rush! On nous rush! Putain, mon gars! Oh là là! J'ai un gros problème! Y'en a marre! Y'a mal à barre! Voilà!
J'ai récupéré toutes les données que j'ai pu. Bon travail, gardienne. Mais le problème posé par ces pics reste entier. Nous n'avons plus besoin du serviteur, Shiro. J'en ai assez vu pour comprendre que les déchus ont redémarré la production d'Aria. Gardienne, nous avons installé une base au Temple de Fer. Rejoignez-nous. On te rejoint, ne t'en fais pas. Le Temple de Fer, ça fait plaisir. Mais on va s'arrêter avant, quand on sera dans l'espace. L'espace intersidéral. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ou pas. Ah bah ça va, on a eu les mêmes loot. Waouh. Ça va, tu gères. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Non, pas la destination. Tac. Alors, on a quoi là-dedans? Ah, je te propose qu'on aille sur Terre, nous, le temps de... Enfin, pour Dez, et voir au niveau de nos armes ce qu'on a. Ouais. Ça, on est tranquille. C'est quoi ça? Ok, c'est de la merde. Tac, ça c'est 320, je suppose. Oh putain. Non, je te dis, c'est du mec combien, mon gars. Bon bah voilà. Je nous envoie sur Terre. Enfin, sur Terre. La tour. A chaque fois, je sais pas pourquoi je dis Terre, mais. C'est la tour. Voilà, c'est la tour. En fait, on aurait pu très bien aller au Temple de Fer, c'est le nouvel endroit social où on fait les trucs, mais bon. Ah bon ? Ah oui, mais bon, c'est... Non, mais tu me le dis pas, aussi. En même temps, si tu le sais pas... Voilà, je ne le sais pas. Voilà. Mais c'est pas grave. On va aller dans un lieu old school, nous. Voilà. Voilà. Dire au revoir à nos amis viewers. Voilà. Bon, on va leur dire au revoir, là, je pense, parce que le temps que ça charge... Donc, nous les loulous, on vous laisse là, donc on vous dit à plus tard pour la suite. Et je vais essayer de régler mes petits problèmes, hein. Voilà. Allez, ciao ciao tout le monde, et à la prochaine. Bye bye.